Ça va les gars? Bon alors c'est Paga qui vient vous voir, vous savez quoi? Je sais pas pourquoi je suis là, je viens commenter un match de football France-Espagne et je suis pas au Qatar, vous savez, je suis à Jambouin. Jambouin, vous savez où joue le rugby? Alors c'est le youtubeur, on m'a dit, le youtubeur, les quoi, les hallucitubeurs, je sais pas trop quoi. Enfin des mecs qui font un carnage sur le tweet, sur Fortnite, quoi, des bêtes, quoi, des monstres. Alors je suis là, on va faire des ITV, ça va partir en brioche dans tous les sens. Venez me dire un mot, ça va les mecs? Oh, franchement, incroyable. Les gars, il va falloir m'en apprendre un peu. Je suis venu parce que je maîtrise aussi l'espagnol. No, mucho gracias. Está bien? Si, cabrón. Si, cabrón. Non, arrête, attention, attention. On m'a dit qu'il y avait deux phénomènes. Et on est en direct là? Tiens, direct. Non! Oui, les gars, vous bonjour. Êtes chez vous. Voilà, il y a deux grands dérugadors là, deux grands dérugadors, deux phénomènes. Les gars, oh, ça va, Amine? Ça va, tu vas bien? Ça va, écoute, ça me fait plaisir. Avec ce mec, j'ai depuis que je suis tout petit, avec mon père, on te regarde tous les matchs, tout de suite, tu nous fais rire, t'es le boss. Si vous voulez vedettes ce soir, ça déconne, parce que le maillot de l'équipe de France, il faut savoir le porter en ce moment, vous le savez quand même. On va essayer de le porter fièrement. C'est tout le monde entier qui va vous voir ce soir, vous le savez. On a la pression, tu nous mets encore plus de pression. Ah oui, surtout qu'on m'a dit qu'il y en a certains qui avaient deux pieds gauches quand même. Hein. Wow. Mais... on se doit de se donner à fond, parce que les gens, ils se déplacent, on les représente en quelque sorte. Il faut gagner ce soir. Ils sont arrivés de Belgique, de Suisse, de Montpellier, de Brest. Ils n'ont jamais rempli le stade ici, ça déconne. Frérot, j'ai l'impression que c'est la Ligue des Champions. Mais c'est la Ligue des Champions. C'est incroyable. Et là, dans le stade, il commence à y avoir des gens. Ils sont peut-être 300. Il y a déjà une énergie de fou. Ça fait déjà trop de bruit. Mec, c'est incroyable. Ils sont venus pour vous voir, ils sont venus pour vous encourager. Et ils sont venus pour s'éclater surtout. Hein. C'est ça, les gens. Voilà, le match ce soir est là. L'objectif, c'est que les Espagnols, ils rentrent en pleurant quand même. Mais ils vont pleurer, les Espagnols, je te promets. On va leur mettre de l'ail dans les vestiaires. Ils vont pleurer, je te le dis, moi. Il faut toujours aller voir le terrain. Quand on est professionnel, on va voir le terrain. Je regarde les tirs, là je veux voir là. Ah mais moi je suis fan de vous monsieur, moi, pour moi c'est incroyable d'être à côté. Ah. Vous voulez que je frappe? Ah ouais, ouais, je veux, attends, on va voir une frappe. Vas-y, vas-y. Grande le... Salut, grande, grande lugador, grande lugador. C'est le premier but qu'il met en 4 entraînements. C'est particulier quand même, parce que je vois que tout le monde monte quand même. Tout le monde est vraiment concerné, comme si vraiment c'était un match à un jeu, quoi. Je sais pas, c'est trop bien. C'est le foot, je crois que c'est vraiment un truc de foot, tu vois. Mais c'est pas vraiment comme un match de charité où où on fait les cons. C'est la Ligue des Champions où il y a un truc. De plus en plus, moi pareil, je rentre dans mon boulot parce que je me dis, putain, les mecs ils se préparent vraiment. T'as pas envie de les embêter. Non, c'est vrai. Mais il y a une rivalité bienveillante quand même, France-Espagne, qui part de la Pixel War. Il y a un truc que Reddit a fait. Toutes les 5 minutes, on peut placer un pixel. Le but, c'est de grind un maximum de terrain. Oh, you are attacking the K-Corp logo. I'm attacking. Bye bye. Ils envoient une salve aussi en même temps. Bombardez. Go. On va faire la tour Eiffel. Ils ont pas une salle. Oh là 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 là. Oui. Zidane. That's pretty serious. Ils sont où les arbitres? Ouais, on veut les acheter. Oh. Bonsoir, vous allez bien? Vous êtes prêts? On arbitre différemment sur le match? Non, on arbitre toujours de la même façon. Bien sûr, le contexte il est différent. C'est un match important et c'est un match où il y a énormément de jeunes. Donc nous, on va essayer de donner une bonne image quoi, de l'arbitrage, du football aussi, surtout. Ah oui, il y a la VAR quand même ce soir. Oui, ce soir, on c'est a un ça. Système VAR, ouais. Un peu différent de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions. Mais... Oui, parce qu'il n'y a pas un bus quand même, rassurez-moi. Je crois que si, ouais. Sérieusement? Ouais, il était stationné, il prenait toute la place. D'accord, je ne sais pas s'ils l'ont pas mené à la fourrière. Ouais. Ils sont bons, je les adore. Bon, lui, il est beau, lui. Oh, lui, je l'embête pas, lui. Hein. Je dirais le coach de Marseille. Hein. Et tu dors. J'ai fait tous les gains. Et puis les mecs, ils sont vraiment concernés parce qu'ils vont faire ce soir. Ils ont travaillé ce match, ils ont envie de le faire. Ils ont un peu le track. C'est génial, ouais, non? Ouais, t'as raison. En fait, on s'est mis dans les conditions d'un match presque professionnel. On est venu en bus ensemble. Ouais. On a fait une petite causerie avant, une petite mise au vert. Là, ils ont découvert le stade, l'ambiance. Donc, ouais, ils sont vraiment dans le match. Ils sont préparés. On espère une belle fête. Ouais, c'est vrai, tu as conçu une tactique. C'est ça, on s'est entraîné 3 semaines. En tout, on a fait 2 entraînements par semaine. Donc on a eu le temps de mettre en place une petite tactique. On va essayer une compo un peu particulière. Tu es parti sur le 3-5-2. Le... Ouais, 3-5-2, t'as des bonnes infos. Hein. Tu sais, moi je faisais un football où il disait il faut marquer des buts, il faut pas me prendre. Football d'une autre époque. Hein. Eh bien sûr, mais ça marche aussi. Non, 3-5-2, t'as confiance en cette compo ou pas? Moi j'ai toujours confiance à toutes les compos. L'important c'est de savoir ce qu'on fait ensemble. Hein. Ouais, c'est ça, c'est important. Je vais te présenter les joueurs, tu vas me dire si tu les sens bien. Allez, viens, on va rigoler un peu, on va passer un bon moment. Quoi. On est dans le vestiaire.
On vient voir si c'est du haut niveau, les gars. Ah, si c'est du haut niveau, les gars. Parce que... Ah. Ah, les gars, j'ai fait 2000 km pour venir vous voir, mais ah, je le regrette pas, les gars. Ah, c'est un honneur de venir vous voir, les gars, franchement. Et puis, ce qui me plaît le plus, c'est que vous êtes tous des mecs bonards, sans déconner. Vous êtes... Non, mais ça... Ah, bon gosse, on le sait, mais ça, on le savait. Bon, les gars, en tous les cas, oh, régalez-nous, parce que tous les gens sont venus ah, de toute l'Europe, alors régalez-nous. Voilà, je peux pas vous dire au mieux, régalez-nous. J'ai un conseil ? Ouais. Si vous avez un ballon que vous ne savez pas où le mettre, mettez-le dans le but adverse. Ouais, c'est bon les gars, on a gagné. Ciao les gars, bon match à vous, bon match à vous, bon match. Ok les gars, vous arrêtez ce que vous faites, on va commencer. Là on va avoir besoin de tout le monde, très concentré. Comme vous le savez, c'est la dernière ligne droite, avant pour certains les 90 minutes qui vont avoir le plus de valeur peut-être dans leur vie. Là, on a confiance en vous et confiance en votre public, c'est que vous avez un cœur énorme. Je connais un par cœur qui est le vous avez un cœur énorme sur Canal. Et le stress, c'est pas une excuse. Vous avez parlé à des milliers de personnes, des millions de personnes des fois. Avec l'autre voix d'or. Surtout, soyez pas stressés. Vous savez faire. Vous savez jouer la pression. Vous savez jouer la pression. Vous me demandez maintenant de profiter. Profitez, faites ce que vous voulez. Juste faites-le bien et faites-le avec le cœur. Si vous faites ça, ce putain de vestiaire, on le retourne. On est bon les gars ? Les gars, vous mettez dans le couloir, on s'attend tous dans le couloir, allez-y. Good luck, les gars, bon match, bon match. On est avec vous, jusqu'au bout. Hein. J'ai pas connu avant. Allez, viens. On est parti, les gars, on est chaud. Ils sont là, les mecs, prêts à rentrer dans les stades. C'est quoi les gars? Allez, les gars, mesdames et messieurs, allez, les gars, du bruit pour l'équipe de France. C'est le moment, ça va démarrer. T'as vu la Marseillaise ? Ouais. Elle a donné des frissons. Hein. Elle a donné des frissons. Je pense que tu sais tout maintenant. Non, ils sont là pour gagner. Je vous remercie de la part de tout le monde qui est là dans ce stade pour cet événement qui est extraordinaire. J'espère que tu me diras la même chose à la fin du match. C'est-à-dire que tu auras passé une bonne soirée. Et s'il y a un problème, je rentre à poil, j'éteins les projecteurs. Le kick-off va être donné. 3, 2, 1, c'est lancé. Il n'y a pas une tribune qui ne chante pas, tout le monde est debout, tout le monde supporte, et ça on aime. On se régale, début de match extraordinaire, franchement. Je vais vous annoncer le score, moi. 4-3 pour la France, avec un triplé d'Amine. Ah. Et un doublé de Michou. Mais il y en a un qui sera refusé, parce que ça fait 5. Pour l'instant, côté Espagne, on a travaillé sur les côtés, on attendait beaucoup. Michou, même moi je vais crier Michou. Michou, Michou. J'ai rarement vu ça. Tu le vois un petit peu dans certains stades, tu vois, quand tu vas des stades du sud, un peu, ou quand tu vas à Lens, tu vois, des endroits particuliers. Ah, mais tu es porté par l'événement. Ça sera directement contré par Folagor, et il y a une bataille de chiffonniers qui est lancée. Oh, il y a deux morts déjà. J'y connais rien, mais vraiment, ils sont à portée de main, je te jure. Faut qu'on plante maintenant et ça va le faire. Ouais, mais on sent que vous prenez de l'emprise par rapport au match, finalement. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis la catégorie footix, tu vois. Je regarde que les grandes compètes, je vais jouer en five et je suis plus heureux des hommes. Mais maintenant, faut qu'on marque. Mais ça va marquer. Tu le sens, ça va arriver. Ballon sur le côté avec Boumé. Il y a peut-être une solution, la frappe de Boumé. Oh, c'est le dernier. Il nous a fait la totale. Il nous a fait l'arrêt de l'année. Ça va revenir sur le flanc droit. Ballon et... Il a marqué. Ils sont partis comme des chauvards. Je crois qu'ils sont sortis de leur zone. Dis-moi, qui a marqué? On va les tuer. 1-0. C'est le premier des 7. Oh, vous êtes sortis de la zone. On aura 7. Qui c'est qui a marqué? Sacha. C'est Sacha. Sacha. Tête des croisés. Il venait d'entrer. Grandiose. Ça, c'est le coaching. Ça, c'est le coaching, ça. Le coup de sifflet, on n'ira pas plus loin quant au première période
Et 1-0 pour nos Bleus grâce à cet homme, numéro 23, coup de boule. Je suis nul de la tête, je suis nul normalement. Et j'ai eu peur que tu te décoiffes. Moi aussi, frère, j'ai vu un peu, non. Les mecs sont sortis de la zone, ils ont pris tous les gens, et je te le dis. Ah ouais. Ah mais pas, c'était pour tout le monde arrivé sur toi. J'ai kiffé, j'ai vu ça qu'une fois, je pense, ou deux, peut-être à seconde mi-temps. Bravo Sacha, il va aller se reposer un petit peu. Oh les gars, je ne vais pas vous emmerder deux secondes, vous avez été fantastiques. Franchement, c'est un régal. Tout ce que vous donnez, franchement, c'est grandiose. Voilà. Alors moi, je fais des matchs de Lyon, de Champions League, ça n'a pas cette intensité. Alors merci, merci à vous les gars. Continuez les gars, continuez franchement. Il n'y a que des techniciens. Franchement, c'est un régal. Je vais vous dire une phrase bateau, mais qui est vraie, hein, c'est mathématique. Si on défend bien, on ne prend pas de but, on gagne le match. Le 1-0, il me va. Est-ce qu'il vous va ou pas? Non. Oh, t'as raté la causerie, elle était grandiose. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement. Ah, mais là, j'ai un truc urgent, là. J'ai une gêne. Ouais. Mais parce que je veux leur montrer, ils n'impressionnent personne. Non, mais t'as raison de faire ce que tu as fait. La seconde période, on est parti, Alex. 1-0 pour cette équipe de France. C'est en train de monter en puissance, il faut aller au bout de ce match. Hein. Ouais, faut envoyer le deuxième, là, histoire d'être sûr. Et vraiment, être sur le terrain, c'est un vrai kiff. Et... Ouais, j'ai adoré rentrer. Mais c'est bien, c'est beau de vivre ça. Hein. Oh, que oui. Ouais, le public, les gens en ligne et tout, ça fait super plaisir. Même s'ils manqueront pas de faire des petites compilations, hein, on les connaît. Attends, ça va donner, je te le dis. Bah, bien sûr que ça va donner. Des montages et des trucs de fou. Oh, ok, oui. Alors, deuxième but, il va pas tarder. Il va y avoir un but, ou pour les Espagnols, ou pour la France, il va y en avoir un. C'est un petit mot. Voilà, Ketal. Ça va? Muy bien, je suis avec un Espagnol qui a décidé de changer de camp. Ça va, Domingo? Et tu te régales, je vois que tu prends un plaisir fabuleux. Quoi. C'est la folie, là, faut leur remettre un deuxième, là, faut les éteindre. Attention, la frappe d'Alonso. Ça devient la folie. Il va voir le coach, il est tendu. Je te sens tendu, ça va arriver le deuxième. Ah, tu le sens arriver, ouais. Tu as peur d'en prendre un en ce moment, tu sais que ça... Non. Ouais. Les changements là commencent à être difficiles à faire. On veut donner du temps de jeu à tout le monde. De toute façon, les gars, ils veulent gagner maintenant. Ouais, ils veulent gagner, ouais. Également Martin à leur côté. Ce trio doit travailler maintenant, on est au sol. Ça calme les esprits, ça commence à chauffer. Oh, viens vite, viens là parce qu'ils sont en train de s'affoler tes copains. Quoi, ils sont en train de perdre au pied parce que l'arbitre a dit j'arrête le match si on reste pas tranquille. Ça va le faire, c'est, ça va aller. C'est ça aussi le football. Pourquoi? Regarde, 70 minutes, ça va. Qu'il n'y a que 1-0. Ah, c'est pour ça. Je vais essayer de calmer mon équipe. Voilà, reste tranquille, voilà. Calme tout le monde. Que ce soit reste amical et que ça reste dans le bon esprit. Mais là, regarde, avec la rampe, non, là, je suis... C'est le meilleur moment de ma life. Enfin, j'ai eu des enfants et tout, tu connais. Boumé peut-être dans la frappe, ça va revenir Bruce. La frappe de Bruce. Ravi que c'était là. Je sais pas qui a marqué, mais il a marqué. Il y en a un qui est à poil. Je sais que tu es bouillant. Le deuxième but, tu m'as fait un sprint. Tu as même de la buée sur les lunettes. Ah oui, je parlais avec mes fils, je disais, on va marquer. Et là, il y a une action, un petit ballon dans la surface qui traîne. Bruce, contrôle, petit crochet, frappe, but. Explosion. Et le ballon avec Bruce Granek pour Boumé, attention au pressing derrière lui. Ça devient chaud, hein. Il reste 10 minutes, ça devient chaud maintenant. Ça commence à se tendre. J'hésite à rentrer sur le terrain, quoi. Ça me pense. Tu es en train d'observer, mais on sent que c'est fait là maintenant, on sent que c'est fait. Là ils sont un peu fatigués, on le sent un peu fatigué. Nous on a vraiment vraiment la dalle, j'aimerais bien qu'on en mette encore un troisième. Ce public là qui est peut-être même pas un public de foot au départ, peut-être, je sais pas tous, mais ils sont imprégnés de ce match, c'est incroyable. Ça on a l'habitude, c'est le public, c'est vraiment basé aussi sur une communauté, c'est surtout jeux vidéo. C'est géant, on sait que c'est une communauté qui est très engagée, qui est vraiment, c'est un public incroyable, qu'ils aiment mettre le feu, on n'avait aucun doute sur eux et juste envie de dire qu'on a le meilleur public, les Français. Venon Star remporté par l'équipe de France. 2-0 ici à Jean-Bois. C'est la folie, ça y est, c'est parti. On va aller voir un peu les fous parce que je trouve qu'on a vécu un moment exceptionnel. Ce que j'adore, c'est vous voir entre vous comme ça avec un tel plaisir, une telle passion. Ah, c'était incroyable. Ah ouais, non mais l'équipe elle est vraiment soudée et je crois les gens ils ont apprécié, j'ai l'impression. J'arrive plus à parler. Ah, mais bon, c'est... T'as vu la puissance d'Internet? La communauté de France est trop puissante. Ils nous ont donné toute la force. Ouais. Et on leur a rendu comme on a pu. On avait une communion, nous c'est comme un rêve, c'est comme si on était pro alors que putain. C'était vraiment une bête d'aventure, on s'est amusé tous ensemble. On a pris le truc au sérieux, on s'est entraîné ensemble. Ça nous a rappelé un peu notre jeunesse quand on jouait au foot en club un peu. Et voilà, il y avait un peu de tous les niveaux, mais on s'est bien amusé. Il y a la victoire au bout, tout est parfait, c'est un beau spectacle. Il communie avec son public, avec ses vrais, voilà. Ah, c'était un régal, hein.
On s'est régalé, franchement. Ce que j'ai vécu ce soir, je ne l'ai jamais vécu. Ah, mais c'est ça. Merci à vous, les gars. Merci, Paga. Les gars, ils m'ont fait la demande. Ils veulent tous des codes Canal+. Ah ouais. S'il te plaît. Les gars, je vous donne ce que vous voulez. Voilà, je ce que vous voulez. On a passé une soirée extraordinaire avec des gars extraordinaires. Franchement, c'était le pied, je le dis. Voilà, franchement, je ne peux pas dire mieux, c'était grandiose. Voilà, pas vous dire mieux, j'ai appris de la jeunesse aujourd'hui que finalement, il faut les laisser grandir, les laisser faire parce qu'ils ont beaucoup à nous donner. Merci à vous, merci les gars. C'était un plaisir.